Tu cliques sur le mail, tu regardes vite fait ce qu'il y a dessus, tu gagnes ton argent et tu peux le refaire à l'infini. Et si tu veux gagner de l'argent, PayPal reste jusqu'à la fin de la vidéo. Moi, ça augmente mon watch time et toi, comme ça, tu comprends bien tout. Avant de vraiment passer à la méthode, j'ai remarqué que vous étiez plus de 87% à ne pas être abonné à ma chaîne YouTube. C'est énorme, donc je t'invite vraiment à t'abonner si tu aimes mon contenu et également activer la cloche des notifications parce que vous êtes plus de 60% à ne pas l'avoir activé. C'est 6 personnes sur 10 qui sont abonnées à ma chaîne qui ne l'ont pas activé et c'est tout simplement énorme également. Donc vraiment, active la cloche des notifications, comme ça, tu recevras une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Maintenant, on peut vraiment passer à la méthode. Donc la première étape, ça va tout simplement être de créer un compte Gmail. Pour ça, tu vas simplement aller sur Google, créer un compte Gmail, donc créer adresse mail ou compte Gmail, c'est comme tu veux. Et du coup, là, tu vas arriver tout simplement sur un document, du coup, support Google, donc une aide de Google qui te montre du coup comment créer un compte Gmail. Tu vas cliquer juste ici tout simplement et là, il te donne toutes les étapes pour créer du coup un compte Gmail hyper simplement et hyper facilement. Bien sûr, tu n'es pas obligé de créer un compte Gmail en particulier. Tu peux créer tout simplement un compte Yahoo Mail comme tu vois juste ici. Ou tu peux créer également un compte Outlook. Donc c'est exactement la même chose. Ce sont tout simplement des mails exactement pareils. Mais c'est vrai que moi, j'ai plus tout simplement l'habitude d'utiliser Gmail. Donc je te conseille Gmail. Après, tu fais vraiment comme tu veux. Et une fois que c'est fait, on va vraiment pouvoir passer à la méthode. Ok, donc la méthode, elle va se passer sur ce site-là. Je te rappelle que si tu veux gagner de l'argent PayPal, faut que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo. Donc ce site là c'est le site ClickGenie et tu vois que dès que tu arrives sur le site tu vois écrit en gros get paid to read emails, donc ça veut tout simplement dire soit payé pour lire des emails. Donc on va aller voir un petit peu le site et tu vois que dès que tu arrives dessus là ils te mettent en avant les qualités de ce site là. Donc les qualités c'est notamment que l'interface tout simplement est très accueillante, qu'il y a plein d'options de paiement, qu'il y a plein également de level de commission, que c'est rapide, transparent et également sécurisé. Là, il parle vite fait du coup du paiement. Et là, on va arriver tout simplement sur les stats du site en question. Donc là, on voit le total de membres sur le site, également combien ils ont payé leurs membres. Et ces deux stats-là, tout simplement, elles sont énormes. Et ils te mettent également le nombre de personnes qui sont en ligne en ce moment même. Et tu vois qu'en bas, ils passent tout simplement, ils font défiler des preuves de paiement de partout dans le monde. Donc où que tu sois dans le monde, simplement, tu peux utiliser ce site. Ne t'inquiète surtout pas. Et si tu veux en savoir plus sur les preuves de paiement, tu as juste à cliquer sur le petit bouton vers proof, il t'emmène sur une page comme celle-ci et bah cette page elle est assez grande déjà et tu vois que ces pages là tu peux en avoir plus de 10 tout simplement et même qu'il y en a plus de 10 hein, parce que si tu cliques par exemple juste ici et là du coup tu vas arriver sur une nouvelle page que tu descends également cette page là tu vois que ça continue encore, là c'était affiché à 10 avant, là ça va jusqu'à 20 et il doit y avoir sûrement plein d'autres pages de preuves de paiement comme celle-ci tout simplement. Une fois qu'on a vu les preuves de paiement, on peut également voir tout simplement comment tu peux t'inscrire sur le site et gagner de l'argent. Donc tu vois qu'ils mettent que s'inscrire sur le site, ça dure 30 secondes. Et là, ils te mettent qu'il y a des statistiques en temps réel, que c'est pour tout le monde, available to everyone. Donc c'est pour tout le monde, où que tu sois tout simplement dans le monde. Là, ils reparlent simplement de la simplicité, la sécurité, etc. Et à la toute fin du site, ils te mettent une espèce de FAQ tout simplement pour les questions qui sont souvent posées sur le site. Donc tout simplement, si tu as une question, et tout simplement, tu peux aller voir la FAQ juste ici et s'ils ne répondent pas à ta question dans la petite FAQ, tu peux les contacter juste en bas ici si tu as besoin d'aide. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement s'inscrire sur ClickGenie en cliquant sur le bouton vert ici register. Ça va t'emmener sur une page comme celle-ci où tu vas devoir mettre un nom d'utilisateur, un email, un password. Tu vas devoir confirmer ton password, donc un password c'est un mot de passe. Et ici ils te mettent référer, donc là tu ne vas rien mettre tout simplement. C'est ça c'est tout simplement si quelqu'un tout simplement t'a donné un code pour t'inscrire dessus si du coup tu veux être parrainé. Moi par exemple j'ai pas de truc de parrainage, t'es pas obligé d'en avoir un, mais du coup tu laisses ça vide. Et ici ils vont directement détecter ton pays où que tu sois, à part si tu utilises un VPN ils pourront pas le détecter, mais moi du coup tu vois qu'ils mettent bien que je suis en France. Ensuite tu acceptes toutes les conditions juste ici, tu cliques sur register, le bouton bleu, et après du coup tu seras sur ton compte. Donc moi c'est ce que je vais faire tout de suite. Une fois que tu t'inscris, ils t'emmènent tout simplement vers une page comme celle-ci. Et là, du coup, ils te mettent « Your account has been not activated. Check your mailbox for activation link. » Donc, ça veut dire que là, ton compte n'est pas encore activé. Et du coup, ils t'ont envoyé un mail. Il va falloir du coup cliquer sur le mail de confirmation qu'ils t'ont envoyé. Donc, on va aller voir ce mail.
Tu vois que là, moi, je viens de recevoir tout simplement un mail de leur part, donc il arrive très très rapidement, ne t'inquiète surtout pas. Donc là, ils me mettent Diryoko, donc ça veut dire Siryoko, vu que c'est mon nom d'utilisateur sur le site. Il me dit donc de cliquer sur ce lien-là, tout simplement pour finir, tout simplement, de m'inscrire sur le site et de finir le processus d'inscription. Et bah voilà, du coup, on va cliquer tout simplement sur le lien qui est juste ici. Là, ils me mettent que l'opération a bien marché. Et du coup, là, tu vas pouvoir te login sur le site. Donc, tout simplement, mettre ton email et ton mot de passe. Et cocher « Je ne suis pas un robot », cliquer sur « Login » et là, tu auras bien accès à ton compte. Une fois cela fait, tu arrives tout simplement sur ton compte et tu vois que là, tu es sur l'interface du coup de ton compte qui est pas mal jolie. Donc, tu vois qu'ici, il y a marqué tout simplement mon utilisateur Yoko. Il me met combien j'ai gagné pour le moment, etc. Bon, moi, j'ai rien gagné du coup vu que je viens de m'inscrire. Et là, tout simplement, ils te mettent également un lien de parrainage. Si tu veux bah tout simplement parrainer des gens, bah c'est aussi simple que ça. Une fois que vous avez bien vu tout ça, ils vont tout simplement vous envoyer un deuxième mail pour vous confirmer que vous êtes bien inscrit tout simplement sur ClickGenie. Et ce mail va être également assez important. Donc tu vois que là, ils me remettent cher Yoko. Et en fait là, ils vont vous expliquer tout simplement comment ajouter tout simplement ClickGenie à tes contacts pour que tu reçoives tous les mails et que du coup tu sois bien bien payé par le site. Donc là tu vois qu'ils te mettent toutes les étapes, ils te mettent même un screen et là du coup ils te disent bien ici un petit avertissement que du coup si tu n'es pas actif sur ClickGenie, que tu n'ouvres pas de mail, que tu ne te connectes pas à ton compte pendant 15 jours, et bah ton compte pardon ClickGenie va être tout simplement delete, donc il va être supprimé et tu vas perdre tout ce que tu as gagné auparavant. Donc fais vraiment très très attention à ça et reste actif du coup sur ClickGenie. Tu veux pas tout simplement que bah ton compte du coup soit delete, qu'il soit supprimé tout simplement. Et là du coup prends bien en compte tout ça pour bien recevoir tous leurs emails et du coup être bien actif grâce à ça. Après je te laisse lire les autres trucs qu'ils ont mis. Moi je t'ai vraiment parlé du plus important. Une fois que tout ça a bien été vérifié tout simplement, ils vont t'envoyer des mails assez régulièrement. Et en cliquant simplement du coup sur ces mails, et bah dans ces mails tu vas voir qu'ils vont t'envoyer un message en anglais, ne t'inquiète pas, c'est de l'anglais très très simple, donc tu vas pouvoir normalement tout comprendre. Et en fait ce qu'ils vont faire c'est que dans ces mails ils vont t'envoyer un lien vers des sites web à chaque fois, et en fait ce que tu as simplement à faire c'est de cliquer sur ce lien. Là ils vont t'emmener sur un site, du coup ça dépend des sites hein, ils te mettent plusieurs genres de sites, et en fait tu devras simplement rester sur le site sans rien faire, je dis bien sans rien faire, t'as à cliquer sur aucun truc, à ne faire aucune chose sur ce site, et t'attends quelques secondes, on va dire 30 secondes, et une fois que c'est bon tu as juste à fermer la page et normalement tes gains seront enregistrés simplement du coup sur ClickGenie. Si t'es arrivé à ce moment de la vidéo, c'est que mon contenu t'intéresse. Alors je vais te proposer quelque chose. Est-ce que ça te dirait des conseils exclusifs que tu ne verras jamais sur ma chaîne sur comment gagner plus d'argent en ligne, faire exploser sa chaîne YouTube ou son compte Instagram, ou juste me poser des questions avec un vrai suivi personnalisé, pas comme dans les commentaires YouTube où je te réponds vite fait, où je cherche pas à connaître tes envies personnelles. Si ça t'intéresse, je t'invite sur le groupe privé. C'est un groupe Instagram que j'ai créé tout simplement où on va échanger plein de conseils. Donc pour le rejoindre, c'est hyper simple, t'as qu'à juste m'envoyer un message privé sur Instagram sur ce compte là, @yokoargentenligne, et je t'ajouterai sur le groupe sous 24 heures. Si tu n'y es pas encore, tu manques peut-être le conseil qui peut vraiment faire exploser ton business en ligne, ta chaîne YouTube ou ton compte Instagram. Surtout qu'on n'en est qu'au tout début et il faut vraiment que t'en profites parce que les premiers arrivés sur le groupe seront forcément ceux qui auront le meilleur suivi et le meilleur accompagnement personnalisé. On se rejoint là-bas. Maintenant on va passer à la méthode pour gagner de l'argent PayPal. Oui, parce que ClickGenie va principalement te payer par le moyen de paiement payer tout simplement. Et si toi tu veux gagner de l'argent PayPal, c'est vrai que c'est pas ouf du coup, mais ne t'inquiète surtout pas parce que j'ai trouvé un site tout simplement qui a exactement le même principe que ClickGenie mais qui va te payer par PayPal, et du coup tu vas pouvoir être payé et retirer ton argent par PayPal. Donc c'est ça qui est hyper bien. Ce site là s'appelle Vindal Research, et même si sur la page d'accueil il y a marqué get paid to take surveil online, ne t'inquiète surtout pas, c'est pas du tout ce qu'on va faire bah du coup sur ce site là. En fait nous on va plutôt cliquer juste ici sur way to earn, donc ça veut dire les différents moyens tout simplement de gagner de l'argent sur ce site.
Une fois que tu as cliqué sur Way to Earn, tu vas arriver sur cette page-là. Et là, ils vont te mettre les différents moyens tout simplement de gagner de l'argent sur ce site-là. Tu vas voir que là, va y avoir du coup les sondages. Donc, c'est ce qu'on a vu tout simplement tout à l'heure. Là, il y a également tout simplement les referral programmes. Donc, c'est-à-dire le programme de partenaires. Donc, c'est-à-dire le parrainage. C'est pas ce qu'on va faire. Et là, juste ici, tu as reward mail. Et ça, c'est ce à quoi on va du coup s'intéresser. Là, ils te mettent gagne de l'argent pour chaque mail que tu ouvres tout simplement. Donc c'est exactement le même principe que ClickGenie, vraiment exactement le même, sauf que là tu vas pouvoir du coup gagner de l'argent PayPal. Donc nous on va cliquer ici sur sign up and get to read email, donc get paid pardon to read email, c'est-à-dire inscris-toi et sois payé pour lire des emails. Hop, tu vas cliquer sur le bouton juste ici. Donc tu arrives sur cette page et là ils te mettent bravo, tu n'es plus qu'à une étape tout simplement d'être payé. Et en fait bah c'est le seul truc qu'on a à faire, l'étape dont ils parlent, c'est tout simplement de s'inscrire sur le site. Donc là tu vas devoir mettre ton email adresse, donc ton adresse email, ton nom, ton prénom, ton adresse. Et là tu vois qu'il y a postal code, country, etc. Donc ça veut dire code postal, pays, etc. Ne t'inquiète pas, tu vas pas mettre de vraie adresse si c'est ça qui te gêne. Et pas bah, pourquoi, parce que tout simplement ce site n'est disponible que aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie. Sauf que nous on est français. Mais ne t'inquiète pas, tu vas quand même pouvoir accéder à ce site. Ne t'inquiète vraiment surtout pas. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement trouver une adresse au Canada hyper simplement. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas chercher sur Google juste ici random list, tu vas cliquer sur celle-ci, random list, the random generator of everything. Tu vas cliquer simplement sur ça, tu vas arriver sur ce site là tout simplement. Et là dans show all, tu vas cliquer juste ici et tu vas choisir la catégorie tout simplement adresse, tout simplement parce que c'est ce qu'on veut. Donc on va la chercher juste ici, hop on continue. Donc là on est animal, art et adresse, c'est juste en dessous. Donc juste ici adresse, et là du coup ils nous mettent tout simplement des adresses random, et juste en bas du coup juste ici il y a random canadian adresse. Donc c'est des adresses random tout simplement au Canada, on va cliquer dessus. Hop, et là ils nous mettent du coup des adresses random du Canada, tu vas en choisir une, par exemple celle-ci, One Allen Street, Flin Flon, MB, machin truc. Tu vas du coup la copier en cliquant longtemps dessus. En faisant ça, faut sélectionner bien sûr que l'adresse, tu vas cliquer sur copier tout simplement. Et là du coup tu retournes sur tout simplement Vindal Research, et là du coup tu vas pouvoir mettre une adresse avec toutes les informations qu'on a mis avant. Une fois que tu as fait ça, tu cliques sur yes, j'accepte tout, etc., etc. Tu vas cliquer sur continue, et là tout simplement ça va être exactement le même principe que sur ClickGenie.